Here we go! Press start to play! Programmer online, technologie, alien, âge. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est GG, bienvenue sur Geek City, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce Let's Play de Alien Rage sur PS3. Ah, c'est les niveaux. Ah d'accord, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah d'accord, 14 niveaux, ok d'accord. J'avais pas compris. En fait, la dernière fois, je m'étais posé la question, c'était quoi le truc derrière? C'était les campagnes solitaires. En fait, non. C'est la campagne solitaire. Alien Rage est un jeu de tir à la troisième personne sorti en 2013 sur PlayStation 3. J'ai pas vu par quoi c'était édité. Mais dans tous les cas, c'est un full FPS. Laisse-moi respirer deux secondes. Comment on fait déjà? Comment on tire? Je joue pas au même jeu des fois donc. Ok, puis. Voilà, je tiens à côté. Non, mais laissez-moi en paix! Deux secondes! C'est bon? Je peux respirer. Ça y est, je peux me remettre dans le bain. Ok, j'ai pas retenu l'histoire, je suis désolé. Je sais qu'il y a un problème avec des humains et une race extraterrestre. On est arrivé sur une planète qu'on a essayé de terraformer, qu'on a terraformé d'ailleurs, je crois. Et puis, ensuite, il y a une colonie d'aliens qui est venue, ils ont fait la même chose de leur côté, et puis on est rentré en conflit. Et ben, bon, c'est tout ce que j'ai compris au début. Et donc, du coup, là, on est dans leur base et on doit péter la tronche de tout ça. Voilà, et je vais mourir bêtement. C'est tout ce que j'ai compris du scénario en fait. Hein. Je le dis, j'ai compris que ça. Donc, peut-être je me plante en termes de scénar, mais ben c'est vrai que là j'ai pas fait gaffe hein. Au scénario, j'accroche pas au scénario en fait. Je m'en fous parce que c'est vraiment difficile. Parce qu'on me parle, mais c'est en anglais. On me parle pendant les phases de shoot, donc je ne comprends rien, bien entendu. Ouais, c'est pas grave. Je shoot. Merde, j'ai pas pu mettre. Ah merde, je me suis trompé. Laisse voir si le son n'était pas trop fort. Je pense pas. J'ai augmenté un tout petit peu le son du jeu, peut-être. Voilà, un poil. Ok, je me fais défoncer la tronche. Mais c'est génial. Mais en fait, j'adore parce que c'est vraiment. Là, par contre, c'est un vrai défaut. Moi, je me regarde. Ça me change un peu des autres jeux. De certains jeux. Hop là, oh. Allez, je me concentre, parce que là, franchement, faut pas trop traîner. Ce serait chiant de recommencer une fois la même chose. Allez, montre-toi. On va tirer à la tête chambre. C'est pas grave. Allez vite, régénère-toi. Ah merde, j'arrive pas à viser. Punaise, j'arrive pas à viser, c'est chiant. J'ai le joystick droit, enfin la caméra, je la trouve extrêmement sensible, ça va très trop vite. C'est très rapide. Ça, j'ai visé à côté. En train de me faire péter la gueule par Black Panther. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le film n'était pas encore sorti, bien entendu. Je tire n'importe où, je fais du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi que je fais.
Ah, mais vas-y, ça me saoule. Je suis des merdes. Putain, mais c'est quoi qui m'a touché là? Sérieux, j'étais à couvert. J'ai appris qu'on est en mode débutant. Je crois que c'est le mode débutant qui s'est enclenché. Le mode débutant qui est extrêmement dur, je pense. Ah, ça surchauffe, d'accord. Intéressant de savoir. Ok, j'ai 3 armes. Ah, ça fait, pour ma part, ça fait quelques jours que j'ai pas touché, donc. Je me rappelle un tout petit peu de mon gameplay. C'est lui là-bas qui me saoule. Avec le feu. Vas-y, mais tu me dis pas que je l'ai pas touché là, sérieux. D'où tu me touches de là? Sérieux, j'arrive pas à le viser. Et là, je me fais toucher, mais sérieux. Ah, c'est relou. Chiant, j'arrive pas à le viser. Bah oui, pour gagner des points stricts. Oui, bah, merci, j'ai compris Captain Obvious. Prends pas pour un oui. J'arrive pas à les viser. Attends, j'ai oublié un truc. Ça, mon curseur il bouge partout. Je tire, il n'arrête pas de bouger. Il fait un cercle autour du personnage que je vise. Attention, je le vise vraiment. Mais à chaque fois que je tire, en fait, mon curseur il bouge. Il bouge. C'est tout con. Ça, il bouge. J'ai tiré son truc, hein. C'est bon? J'ai réussi? Non, putain, je l'ai pas vu. Vas-y, j'ai tiré dessus. Il est pas mort. C'est bon? Eh ben. Amen, point de contrôle. Allez, je tire vers le vide. Ce carnage. En tout cas, c'est un bon effort. Vas-y, je prends le minigun. Je m'en bats pas les steaks, moi. Mais vas-y, mais arrête de me parler, je peux pas te lire. Je reste là, moi, je bouge plus.
des dégâts, ça. Gueule. C'est bon? Ah là. Tiens. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ok. Bon, allez, continuons. C'est bien, on peut avancer. Allez, au bout de 10 minutes, on peut en faire avancer. Boum! Pouf, jackpot. Allez, bim. Bon. Je sais pas ce que tu dis, mec, depuis le début du jeu, je comprends rien, je parle pas l'anglais, sérieux. C'est quoi? Tout est rapport à toi. Allez, Vorus, voilà, c'est ça. Ça s'appelle des Vorus, d'accord. Ça me fait penser un tout petit peu à du Halo, vraiment. À Halo et à Killzone pour le coup. Killzone que j'adore, j'ai très très hâte de vous montrer. Hein. Je vais faire un let's play sur cette magnifique saga. Je kiffe Killzone. Enfin, j'ai kiffé les Killzone sur PS3. Le premier était en sortie sur PlayStation 2. Je crois que je dois l'avoir en version boîte. Mais vous pouvez même vous rendre compte, pour des questions de facilité, je pourrais pas le faire sur ma PlayStation 2, moi, bien entendu. Mais sur l'émulateur de la PS4. C'est les jeux. Sur le streaming, pardon, de la PS4. J'étais en train de me faire dérouiller. Mais après, par contre, j'ai les Killzone sur PlayStation 3. Ouais, ce que je vois le Killzone 3, donc je crois que le Killzone 2 doit être derrière, au fond. Et j'ai le Killzone Shadowfall sur PS4. Putain. Il gagne toujours. Putain, ça fait mal quand même, une gueule. La vache! Bon, déjà, si on avance un petit peu, c'est déjà ça. Ouais, je vais pas faire que 30 minutes. La dernière fois, je crois que j'ai fait 30 minutes, c'est par manque de temps. Il me semble. Si je dis pas de grosses conneries. Y'a personne? Cool. Ok. On a plus de game ou quoi là? Ou c'est un bug du jeu? Ok, j'ai pas compris. Tout à l'heure il y a plein d'ennemis là et. Maintenant il n'y a plus personne. Ok. Bon bah continuons, on s'en fout. Ah il faut aller où là? C'est pas là qu'il faut aller? C'est pas ça qu'il faut faire? Attends. Mais j'en viens là. Non, j'en viens pas là. Attends, c'est quoi déjà? Localiser l'ascenseur maintenant au niveau de la pompe principale. Ok. Et. Ascenseur, c'est pas ça? Il est ouvert. Il y a un bug? Le jeu l'a bugué? C'est rien, non. Oh, c'est moche, je peux pas détruire. Ah, attends, je comprends pas. Oula, alors c'est le jeu qui a planté. Ok, j'avoue, enfin, là je me comprends. Tiens, je suis même par là. Attends. Ah, là je comprends pas trop. Ça, il faut détruire. Non. Je sais pas si je veux. Putain, je peux pas sauter. Ah, putain, je peux pas rentrer avec le minigun. Alors attends. Voilà. Eh ben, c'est pas ça? C'est pas ça l'ascenseur? Allô? Le jeu? Putain, mais je comprends pas. Attends, revenons en arrière.
Oui, j'ai oublié de faire oublier un truc. Ok, ben non. Là, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Ok, déjà, je peux pas sauter bien haut, c'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai rien loupé, il fallait bien aller tout droit. Oh là là, c'est quoi ce jeu encore? Bah oui, je viens de là. Ah bah voilà, donc il m'a indiqué bien là-bas. Ce con. Donc c'est... Mais je comprends rien. Au secours. J'ai dû manquer un truc, d'accord. Je crois que j'ai... Ouais, j'ai dû manquer un passage. Mais non, mais c'est là, bah c'est là. Mais qu'est-ce qu'il me fait ce jeu? Bah alors, je comprends pas. Il y a un truc que je dois faire, mais je comprends pas. Allô? Allô le jeu? Tu as planté? Tu bègues? C'est bien là que tu me dis d'aller depuis tout à l'heure. Alors, je veux te comprendre, s'il te plaît. Aide-moi. Faut tirer? Et ça c'est quoi ça? Psychodale. Oh là, ah, attends. Pas mon temps là. Non mais je m'en fous. Je vais pas. Attends. Mais je comprends pas. Mais sérieux? Mais j'avoue que je comprends. Là c'est fermé. Donc normalement t'es censé rentrer là, la porte et une porte là. Attends. Attends, on va recommencer le contrôle. Voilà, parce que c'est peut-être un bug. C'est peut-être un bug du jeu. Mais alors là j'avoue que je ne comprends pas. Ah franchement si c'est un bug du jeu, ben chapeau parce que là. Ok. Donc déjà ça c'est me paraît encore plus bizarre, c'est que là il n'y a encore personne. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que je les ai tués. Ça veut dire que je comprends toujours pas. Voilà, ça m'indique ici. Donc là, il y a quelque chose à faire. On est d'accord. Comment on va? Il y a un bouton caché. Allô? D'accord, ça c'est pour les armes. Ok, j'ai trouvé une autre touche pour les armes, c'est génial. Ouais, bah écoute, je ne sais pas. Donc c'est super. C'est quoi ça? Bonus trouvé. Putain, je crois que c'était un truc intéressant. C'est un bonus, oui, d'accord, mais c'est chiant. Bah, les gars, on est keblo. Je ne comprends toujours pas. À moins qu'il y ait un interrupteur qu'il faut appuyer quelque part, que j'ai pas vu. Chose que je ne comprends toujours pas. Depuis le début du jeu, quand on a une action à faire, il faut appuyer sur carré. Et là, je comprends pas, parce que là, c'est pété, donc je sais pas s'il faut passer par là, s'il faut monter, je comprends rien. C'est quoi faire? Le casier d'ascenseur maintenant au niveau de la pompe principale. Oui, mais je l'ai le casier d'ascenseur. Voilà, là, je sèche totalement, les gars. Ça fait rien. Sacré. Alors attendez, on va essayer de trouver soit une astuce. Hop, c'est le jeu, c'est Alien Rage. Okay. Je ne me rappelle plus le nom du jeu non plus. Tout va bien. Tac, tac, tac.
Alors, j'ai trouvé. J'ai trouvé une astuce. Ah, j'ai même la date de sortie. Ok, bon, déjà on va aller sur notre chez nos copains, bien sûr, de JVC. On va regarder la. On va pas regarder leur test parce que je me rends compte qu'ils font un peu pour l'instant. Je vois la note, donc ça sera bien grave. Mais je veux voir si c'est un truc d'astuce. Parce que j'avoue, je ne comprends pas. Ok, il n'y a pas d'astuce. Il n'y a pas d'astuce, il n'y a que les trophées. Ok, bon, on va aller voir sur YouTube directement. J'ai vu qu'il y avait une personne qui avait mis un let's play, qui avait commencé à let's play. Non. Oui. Chat. Il faut que je regarde encore une fois sur YouTube. Merci, heureusement qu'on a YouTube, parce que ça. Qu'est-ce qu'on ferait sans YouTube? Déjà. Pour le deuxième épisode parce que je pense que on en est là au deuxième niveau. La gueule. Ah, attends, putain, je sais même pas où c'est. Ah voilà, c'est juste après ça. Je suis au même endroit que lui. Attends, je baisse un peu le son parce que. Voilà, ça va mettre du temps, hein. Je suis désolé, on va regarder cet écran-là pendant un moment parce que il a l'air de caler un petit peu en même temps qu'on a un endroit que moi. Ok, donc là il a fait ce passage. Bon, ce passage on vient de le faire, c'est la séquence avant avec le minigame. Ouais, si je peux pas trop avancer parce que j'ai des gros doigts sur. Non. Ouais, un truc que j'ai pas vu. Je me rends compte que sinon je suis très mauvais sur les jeux vidéo. C'est pas le premier jeu auquel on se sert d'une vidéo YouTube pour avancer. Dernièrement, on était bloqué sur It Takes Two avec le haut, donc on a dû servir de YouTube d'ailleurs pour regarder ce qu'il fallait faire. Bon, c'était trop, on était. Allez, j'aimerais qu'il avance un peu. Ah, le pire, c'est qu'il est comment? Il regarde tout partout. J'aime pas attendre de regarder comme ça quand je sais que je suis au même endroit que lui. Et ça me saoule parce que il va trouver de suite. Non, il est mort! Ah non, je suis dégoûté. Il était pas loin d'arriver! Attends, j'essaie de trouver quand même. Du coup, c'était là-bas. Il y a un truc à faire.
c'est pas là, c'était après, c'était avant. Il y a un truc là. En même temps, je regarde, donc je loupe le passage. Ah bah ouais, c'est bien. Oui, lui, ça s'est activé, pas moi. D'accord, j'ai compris. Moi, ça s'est activé, ça s'est activé, pas moi. Donc, à mon avis, c'est qu'il y a un truc que j'ai pas fait. Mais j'arrive pas à savoir quoi. Putain, il faut pas que je monte à tout niveau quand même. Ah, je suis dégoûté. Ah, non, mais je comprends pas parce que j'ai tout fait. J'ai tout fait comme lui, comme Arnaud, je crois que c'était le nom de sa chaîne d'ailleurs. J'ai tout fait comme lui, et en fait lui ça s'est activé et pas moi. Donc y aurait-il un bug dans la matrice? J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Bah ouais, c'est pas activé. Attends. Bon, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va recommencer le niveau. Tant pis. Ça me saoule parce que j'en suis déjà 26 minutes, mais bon, c'est pas grave. Ce sera la vidéo du bug. Là, je comprends pas. Non, moi, je devrais arriver à avancer assez vite. Parce que j'avoue que je ne comprends pas le niveau. Donc, je trace. On va essayer de tracer un peu parce que. Ah, j'ai eu ça, génial. Attends, vas-y, je reste là, je bouge pas. J'ai encore le. C'est qu'à mon avis, il a dû avoir des problèmes. Il a dû avoir des problèmes sur la version PS3 du jeu parce que j'ai. C'est la première fois que ça me fait ça. Je vais repasser le temps ici. Oh là, et bim!
Headshot. Oh, double serveur, ok. Ah, je pense qu'il y a eu un bug. C'est un truc de fou quand même, tomber sur un bug dans un jeu de un streaming qui est à la base un streaming, donc c'est-à-dire que tu dois mettre normalement une des meilleures versions. Je pense que j'ai eu un bug. On va voir. On va voir. Et c'est ce qui me fait très peur. Parce que si c'est un bug, que là ça passe, bon, mais ça va. Et si c'est un bug que ça passe pas, ben on est foutu. Parce que le truc, on peut plus le faire. C'est tout con, on va essayer d'aller vite là-bas. Déjà, j'ai rattrapé tout mon retard. Je peux pas y accéder, mais c'est pas bon, c'est pas grave. De toute façon, alors ça veut dire que peut-être pas, on n'est pas obligé d'y aller. Oh, je suis limite. Non, toujours fermé. Ça, je sais toujours pas ce que ça veut faire. Ça veut dire. Point de contrôle activé. Voilà, déjà là, j'arrive. J'ai pas réussi, j'étais presque. J'étais presque à l'avoir, je suis sûr. 33 minutes, j'ai bien rattrapé mon retard quand même. En 5 minutes, j'ai fait tout le truc. J'étais pas loin du début de niveau quand même, c'était fort ça. Ouais, déjà là, je reprends. J'ai déjà pas quelques amis. Ah, j'ai plus personne. Là, c'est pareil. Moi, je l'ai eu. Ça y est, ça s'est activé. Ça y est! Allez, j'ai pas compris. Je pense que c'était un bug. Je pense
pas si c'est un bug parce que tout à l'heure on n'avait pas eu ça. Ouais, on n'avait pas ça. Ah ouais, donc c'était bel et bien un bug. Ben ça c'est pas normal. Je suis désolé. Qu'on ait un bug comme ça dans un jeu en streaming, c'est pas normal. Qu'on est dans un jeu, bon. C'est parce que c'est du machin. Là c'est un streaming, y a rien. Y a rien installé sur le jeu, c'est pas normal. Bon, je suis content, on peut continuer un petit peu. C'est que dommage, c'est qu'on a perdu énormément de temps. On va essayer de speeder un peu. La vidéo elle va faire 10 minutes de plus que d'habitude, je crois que elle va taper dans les 50. C'est vraiment parce que je veux avancer dans le niveau. C'est quoi ça? Putain, il y a combien de trucs dans Alien? Bon, après, c'est déjà Alien. Hein. Et qui s'appelle Alien. C'est un petit peu dans ce jeu quand même. Déjà, je joue pas beaucoup de temps, pas beaucoup de fois non plus. Si dans le peu de temps auquel j'y joue, je peux pas avancer. Je m'en fous, ils sont en train de parler, je sais même pas ce qu'ils disent. Trouver et utiliser la station de pompage principale. Putain, ah, j'ai dit rien. Qui me tire dessus? Ah. C'est bon? C'est bon. Allez, on avance. Pour l'instant, ça se débrouille pas trop mal. Hein. Là, pour le coup, on avance bien. Ok, on va voir par là. Oh, ça vole. Allez, je suis mort. Je vais mourir, voilà. Je suis mort. Mais c'est bien parce que je suis content parce qu'on avance. Voilà, j'avance. Et c'est vrai que. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour y jouer là. C'est la rentrée pour moi. C'est la rentrée. C'est vrai que du coup je reprends mes activités. Hors professionnel, je reprends toutes mes activités. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour moi pour pouvoir enregistrer actuellement. Bon après quand je repasserai à ce moment-là sur la table d'opération là, j'aurai un peu plus de temps. Normalement, pas les 3 premières semaines. C'est vrai qu'avec tous mes rendez-vous, plus les activités bénévolat qui m'ont rempli pour moi. Ça que je ne travaille pas, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans les assos. J'avoue que c'est un peu tendu à ce moment. Pour ça que j'essaie de faire en sorte que vous ayez plein de vidéos de let's play surtout pour pas que voilà, pour qu'il y ait trop temps de l'attente. Alors attends, je suis à côté. Alors moi en termes de vidéo on doit être bon je pense. C'est bon, ça y est. Tac tac tac. Parce que j'ai même pas encore commencé le montage du let's play du jeu d'avant celui-là. Et je sais que le jeu d'avant, il est très très long. Moi, je peux vous le dire, je peux le dire parce que ça a été difficile avant, bien sûr. C'est Arc, donc j'ai pas encore commencé le montage d'Arc.
C'est Dwayne Johnson The Rock en fait, c'est The Rock qui qu'on contrôle. Ok, en bout, un boss, allez. Non, oula. What? Je vais gaspiller ton munition. Dire, je vais te bouffer le cul quand même. Je t'ai laissé aller. Ça a été marqué, j'ai bien une temps de le lire, il y a marqué, je vais te bouffer le cul. Alors, attendez. Bon, j'ai pas bouffé le cul à quelqu'un, hein, et on va boire de l'eau. Parce qu'il fait très chaud. Très sudé parce que les niveaux, ils sont pas bien longs. Et j'ai dû recommencer tout ce deuxième niveau parce que j'avais un bug. Et ça, c'est pas normal. Et je vous redirai, c'est pas normal. Oh, il fait des trucs. Ouais, le dire en pote, c'est ça. Il était bien. Putain, il est chaud, lui. Putain, il est. Ah, il est là. On va l'avoir. Allez, on continue. On est bon là, on est bon. J'ai joué avec le feu, mais bon. Je crame toute mon munition. C'est bon. Ah, vous êtes un trophée grand tueur. Ok. Ah, la fin du niveau. D'accord. Bah, c'est pas mal. Hein. On a fait combien? On a fait. Ouf, d'accord. Après la précision. 15 minutes. Le temps du niveau, 15 minutes. Franchement, c'est vraiment très court. En tout et pour tout, le jeu, tu peux le finir en 3 heures. Il y a 14 niveaux. Restez à la tête 75 éliminations. J'ai pas le bon pourcentage. On va commencer le troisième niveau et on s'arrêtera là, comme ça fera 50 minutes parce que voilà, je regrette un peu, c'est d'avoir tourné en rond pendant 20 minutes à cause d'un bug. Enfin, ça me... C'est encore, c'était un jeu en version CD que j'aurais. Allez, ouais, d'accord, je me dirais c'est un bug du CD, bon, ok. Mais là, je suis désolé les gars, c'est du streaming. Ce bug comme ça devrait pas y être. Attends, c'est quoi, j'ai touché.
Je suis désolé, mais pour moi, un bug comme ça, qu'il y ait un bug d'affichage par rapport aux ennemis, bon, c'est pas arrivé. Mais un bug parce que le truc, parce que le script ne se déclenche pas. Non? Non? Non, non. Non. Ça aurait été en version CD, bah, ok. Ok, bah, ça vient un bug du CD, je relance le jeu pour pas ça. Et là, c'est en streaming, donc je suis désolé, ça aurait dû être effacé, ça aurait dû être corrigé même avant d'être mis en ligne sur. Putain. Avant d'être mis en ligne sur le PSN, ça aurait dû être corrigé ça. Ça c'est un défaut, je suis désolé, qu'on devrait pas avoir. Le bug du script qui ne se déclenche pas, non. Ben moi, c'est pour ça, là, pour le coup, je suis pas d'accord. Parce que ça aurait pu me faire arrêter le jeu, hein, totalement. Hein. Putain, je l'ai vu, il est là-haut. Meurs! Tu vois comment. Ah, ouais, non, t'as changé. Ça, j'ai pas. Je préfère celle-là. Quel mur? Ouais, c'est marqué gros. Tu es ici. Oh, joli. Ok, on continue. Ah, attends, c'est où qu'il faut aller là? Ah, c'est là-bas. Tous ces trucs-là, je comprends rien ce que c'est. Je marche dessus, tu vois. Hey! Hey! Ah, tiens, moi je ça. Mais j'ai plus de balles. Ok. Ah, on a trouvé d'autres humains mais encore mort. Bien entendu. Allez, salut! Voilà, direct, bim! J'ai même plus de munitions. Ah, ça y est. Hé, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me fais tirer dessus? Mais vas-y, mais qui me tire dessus? Mais what? Mais de là-bas, il arrive à me tirer dessus, mais sérieux? Il est sérieux, lui? Il est fou! Il est fou! De là-bas, il arrive à me tirer dessus. Mais what? Allez, bim, explosion. Alors, prochain point de contrôle, on s'arrête. Je sais pas où il faut aller. Ah, je tombe mieux un trophée. Trop mignon. Contre la boc. Ah, ben voilà. Aïe. Mais vas-y, je tire dessus. C'est chaud. What? Mais sérieux? Mais c'est qui? Mais d'où il m'a visé lui? Ah! Heureusement qu'il m'a électrocuté avant.
C'est chiant, on peut mourir. Attends, attends, je me concentre. C'est bon? The night. Point contrôle, attends, mais on va se rapprocher encore un tout petit peu. Ah. Ouais, merde. J'ai eu trop chaud. Oh, je suis mort. Bon. Si je me prends un point de contrôle, est-ce que je suis. Non, c'est pas ça. Je pense pas que je suis. Oui, je crois que je l'ai vu le point de contrôle passer, mais j'ai pas fait hâte. Ok. Ok, bon, les amis. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci de vous d'avoir regardé. Je suis désolé pour les 20 premières minutes qui étaient un petit peu chiantes à cause de ce bug. Voilà, ce qui n'est pas normal, mais bon, bref. Passons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu d'amour. Un petit commentaire sur cette vidéo qui fera un plaisir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très rapidement sur YouTube pour de nouvelles aventures. C'était G pour Guisty. À la prochaine. Ciao, ciao.